Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc, bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, Halls of the Hunter Dark. Et oui, encore une session incroyable, deux sessions dans le mois, c'est fou. Alors, la dernière fois, nous étions donc partis avec notre cher Harry Bess dans les terres désolées de Kania afin de chercher notre quête, continuer notre quête pour trouver le nom du veilleur et battre Méphistophélès. Durant cette terre désolée, nous sommes tombés donc dans cette petite grotte, le Hall des Gemmes, comme cela s'appelle actuellement. Et dans ce Hall des Gemmes, eh bien, hélas, une mimique magique possédée nous a pris notre équipement. Et nous avons donc galéré pendant plusieurs minutes à récupérer cette mimique, la brûler, combattu un démon et récupérer la main démoniaque, gnac, qui basiquement est une main qui permet. Alors attention, on va voir si ça marche. Je prends la main, j'active la main. Voilà, la main revient. En fait, il faut que je lock quelque chose. Par exemple, si je lock, alors mettons par exemple, je lock le cadavre de la mimique. Hop, à moins, ou alors je lock la baguette. Je lance la main. D'accord, ça marche pas. Ça marche pas vraiment en fait. Mais a priori, ça rattrape les objets et. Et je vais arrêter de ramasser du caca parce que j'en ai marre. Techniquement, c'est censé ramasser les objets. Bon, ça marche pas très très bien, mais c'est pas grave. Donc du coup, nous avons terminé. Nous allons pouvoir remonter de l'autre côté et continuer de nous balader dans les plaines désolées de Kania, sachant que nous ne sommes plus très loin. Je dois plus être très loin de la fin de ce chapitre et donc de la fin de ce jeu, de cette extension et par définition de ce jeu. Ah. Eh bien, ok. Alors. Faut que j'utilise la main. Ah bah non, donc ça, je me suis d'accord. Je crois que j'ai dû rater un truc. Ou alors c'est ça, il faut utiliser sur quelque chose que dont j'ai tout oublié. Alors, moi, je suis toujours avec la souris, ils me disent d'utiliser la main au-dessus de la lave sur une chaîne. Sachant que tout ça, c'est de la lave. Vous ne me direz pas, mais c'est de la lave, je vous assure. Je ne sais point où aller. La joie est en moi. Je vous lis, là, il y a une joie intense. Je pense que je dois regarder une vidéo parce que là je suis perdu. Ouais. Il va falloir que je revoie propagateur, portail dimensionnel. Ah bah portail dimensionnel, bah oui. Ah bah oui, la porte. Il y a une porte devant moi. Excusez-moi, je l'avais pas vu. Porte astrale. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu con. Ah oui, alors, et donc du coup, si je fais ça, que je lance, alors que vous approchez, vous sentez que la main démoniaque se trouve entre ça, commence à avoir un doigt qui dérange.
elle meurt visiblement d'envie de saisir la torchère que vous apercevez de l'autre côté. Eh ben, attrape la torchère. La torchière. Elle est où? Ouais, alors pause. Excusez-moi, la torchière. Là. Lance la main. Lance la main. Ah mais faut que... Ah attends, est-ce que je veux que je me mette bien devant? Ah, je suis bien de... Ah oui! Téléportation! Yeah! Là je vois le bonheur. Et là on va commencer à s'amuser. Allez, tous sur un, comme d'hab la technique. La bonne technique du tous sur un. J'ai la max de potions. Voilà, et mon personnage qui discute. Allez, on continue. Arimes, petit combat, si. Elle est gelée. Elle est gelée. Tous sur le même, on a dit. Le but après, c'est de ne pas trop utiliser de potions. Ah, une potion, il a utilisé une potion, oui, je l'ai vu. En tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est bientôt à la fin du jeu. Du coup, on va pouvoir. Je vais pouvoir essayer de jouer à autre chose. Et j'espère cette fois-ci le finir plus rapidement ce que je vais choisir. Voilà. Allez, encore un petit peu. Yeah. Hop, le campement, on brûle 3 baies, on se repose. On attend juste que la musique se calme. Voilà. Se reposer. Repos. Ça me permet un petit peu d'économiser pas mal de choses. Notamment un max de baies. Alors par contre, on me dit toujours dans cette solution que le combat le plus dur, enfin un combat dur, va s'enclencher. Ce à quoi je serais prêt à répondre, Asie, fais-moi peur. Alors, on va donc, comme d'habitude. Non, pas chargé, sauvegarder, on va mettre ça dans... Alors actuellement nous sommes mi-février, donc on va mettre mi-février. Voilà. En plus d'une sauvegarde rapide, et on y va, on y croit. Ah, j'y crois. Alors, bon, là il y a encore des trolls. Il y a encore des trolls, Arimes arrive. Arimes. 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 Ah, c'est elle qui lance des sorts, ok. Je crois. Je crois que ça doit être elle. Alors, on a une porte juste là. Intéressante. Intéressante option. Je sais pas combien de temps va durer cette session. Je pense que elle n'ira pas jusqu'au bout du jeu. Hein, hélas. Point, 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 les critiques. Alors, des ossements, des ossements, des ossements. Là, il y a un truc. Portail dimensionnel. Ouais. Ok, on va retourner au feu. Qui n'est plus là. Du coup, petite sauvegarde, et puis je vais faire le tour.
Pour l'instant, il n'y a rien. Ah oui, le portail dimensionnel, il est là, ok. Ok. Ça, c'est ce que j'ai battu. Ça, c'est le... Ah bah oui, il y a des cailloux. Ah bah oui, y a des cailloux. Donc du coup, on va là. On... Non. Stop le personnage. Personnage. On va mettre l'anneau. L'anneau qui est ici. Qui sauvegarde. On entre. Passage abandonné. Ok. Mogrim, Crimson. Mais c'est des gens que je connais. C'est des gens que je connais totalement. Mais oui, mais je reconnais tout ça. Enfin, le Mogrim. Mogrim, c'est un méchant, ça je le sais. Rongemort, je crois que j'ai dû croiser. Crimson, ça me dit rien. Ça a l'air d'être un méchant. Et ouais, bah voilà. Bon. Bon. Sauvegarde. Bienvenue, mon ami. Alors, le chef de ce groupe inquiétant, un moine important, la robe d'un membre de l'ordre de la longue mort. Bon, regarde approcher de ses yeux dénués d'expression. Ah, si j'avais une surprise. Mais je connais cet esprit, c'est Rongemort qui a sauvé. Qui a aidé à sauver. Et Mogrim, oui. Le clair connu sur le Mogrim se fend d'un rire cruel. Et voilà que nos routes se croisent de nouveau, Rebessa, mais vous serez soulagé d'apprendre que je ne suis plus un disciple de Morhaï et de ses anciens. J'ai de plus hautes ambitions désormais. Maintenant que Méphistophélès n'est plus, il y a un vide à combler. Ce plan des enfers a besoin d'un nouveau maître. Tous ceux qui me jurent fidélité seront récompensés. Quant aux autres, ils seront éliminés. Ça me sert à rien de gouverner ce plan des enfers. C'est vous qui allez me jurer fidélité. Néon Black, vous êtes trop puissant, votre seule présence, blablabla. Et c'est le roi là-bas. Ah merde, il a raté le temps. Il a raté le temps, mais c'est aussi pour ses potes qu'il arrête le temps, j'ai l'impression. Voilà, moi je vais attaquer lui. Alors évidemment, si le combat est chiant, si le combat est... le combat est... Oula, le combat est... le combat... le... What? Est-ce que je viens de me faire défoncer la gueule? Sans doute. Heureusement, j'ai le pouvoir du café avec moi. Bienvenue. Ouais, bla bla bla. Alors, juste pour voir. Ah, d'accord, donc. Ah, d'accord, donc. Instantanément, lui, il frise le temps. Et ça va affecter tout le monde. Je vous ai dit que j'étais pas patient à un moment. Oula, il n'est pas fort lui. Il n'est pas fort, mais ça peut être. Ouais. Succession d'enchaînement, il a. Alors. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors maintenant, attendez. Maintenant, je sais que quand je fais ça, il est préférable que je mette le jeu en pause. Parce que si, voilà, en fait, ce qui se passe, et maintenant je le sais, c'est que je casse tout quand je rentre là-dedans. Donc, ce que je vais faire, voilà. Tac, on met le jeu en pause. Donc, est-ce que je vous ai raconté à cette fameuse fois où j'ai un petit peu cassé le fion à plein de gens? Je me souviens, c'était en 1953.
ça me faisait un peu chier, hein, tout, je ne vous cache pas, que tout le monde... Ah bah voilà, fin de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié. Bienvenue, mon ami. Bienvenue, oui, oh là là. Oh, oh, oh. Alors. Alors. T'es mort. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Allez, juste le nain. Que le soutien. 1v1. Le seigneur silencieux vous emporte. Et c'est qui met un max de dégâts. Allez. T'es mort. Voilà. Ouah. Ah là là. Je ne sais pas si vous avez vu ce combat incroyable qui s'est passé devant nous. Mais je dois dire que c'était, ma foi, fort intéressant, n'est-il pas long. J'espère que vous allez me le dire dans les commentaires. Attends, je... Ok, c'est pas ça. Voilà. Ah là là, c'était vraiment... c'était vraiment un combat incroyable, hein, je dois le dire. Moi, je suis subjugué par tant de combats et tout. Je pense que c'est toi aussi tu aimes ce combat, mais un pouce bleu. Oh, il a des trucs. Je prends tes potions, je prends ta clé, je prends tes gantelets. Oh, ah bah les gants, arrivait ça, on avait besoin. Je prends tes bottes. Utilise uniquement par moi. Je prends ton anneau de protection, je te prends tout, je te pille. Je les pille en fait. Hein. Alors on va me dire oui mais pourquoi tu fais ça, j'ai envie de te dire que c'est pas bien de tricher, ah là là, connard enculé, moi j'ai envie de vous dire, non, c'est faux, vous n'avez rien vu, bon c'est que des trucs de prêtre, un autre pouvoir, oh je prends ton anneau, qui m'a l'air bien stylé, Crimson qui possède plein de choses, une petite Daxus 100, avec bonus empirique, ça peut se revendre pas mal. Ça, qu'est-ce que c'est? Une petite armure légère, un peu nulle. Petite bague vigueur plus 6, très intéressant. Ah, je fais mes courses. Bonus d'armure plus 6, super intéressant. Toi, tu aimes un magicien. Oh là là, mais que de choses incroyables. Réflexe plus 6, ça m'intéresse, tu vois. Des petites bagues, toujours, hein, des petites vigueurs plus 5. Voilà, bonus d'armure plus 6 encore. Voilà, je te laisse tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a le gros. Alors, le gros, il m'intéresse. Il a une superbe hache nulle. Une pierre naturelle. Regarde-moi ça. Une petite pierre de protection plus 6. Un anneau, oui, non. Voilà. Haribes. Non, pas moi. Haribes, oui. Toi. Oui. Nous devons donc changer de technique et on va modifier un petit peu ton équipement. Oui, tu n'avais donc pas de cap et pas de casque et pas de cap. Ok. Donc, je vais juste te passer je vais te passer. Alors, ne bouge pas, Rives. Je vais te passer des gants. Une petite cape. Non, pas de petite cape. Bon, petite cape. Petit gant. Discipline plus 30. Non. T'as pas un truc pour elle, un truc fort. Toi. Oh, il a deux trucs, lui. C'est quoi qu'il a juste à côté? Des petites potions. Petites potions. Easy, mon gars. Bon, alors, attends. Ah oui, alors. Tac. Et ensuite. Voilà, petit gant. Suivant, Ah oui, petite ceinture aussi. Petite ceinture, voilà, force plus 5 pour toi, Ribes. Hein. On t'a refait ton stuff pendant qu'on y est. Il a pas de casque, une petite cape. Oh, résistance universelle, hein, écoute. Ça peut être que bien. Hop là. Voilà, bah écoute, moi ça me va. On va se reposer? Ouais, on va se reposer. Oui, j'ai triché comme un salaud. Mais bon, hein. On va pas se cacher que faut avancer dans le jeu.
Si vous n'êtes pas content, mettez votre meilleur pouce en bas. LOL. Quoi d'XP? Oh, ok, ok, ok. Mais alors ça, c'est quoi? Oh, oh, d'accord. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est la, enfin, la suite. Oui, non. Vous avez pas d'autres potions tant que j'y suis? Bah si, petite potion de guérison suprême, petite potion. Max de potions. Bah écoute. Je vous refais les poches, hein, vous m'en voulez pas. Mais petite potion. Je ne dis pas non. Oh, ça fait un très beau slogan, ça. Petite potion, je dis pas non. Ouf, des petits tirs d'arbalète, ça. À dissipation, évidemment. Et une amulette de constitution épique. Oh. Alors ça. Ça, je vais me la mettre. Ça, je vais complètement me la mettre. J'avais quoi avant? J'avais la minute de la Sensei. Qui me permet, oui. Qui me permet de me transformer. Oui, la transformation. Alors, déjà, on va se mettre ça de protection. Petit plus 6. Voilà, 34. Voilà, c'est bon. Allez, problème réglé. Problème à régler. Alors, on va aller par là. Ouais, petite porte. Sauvegarde. Alors, Non, mais ouvre la porte. Idiot. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oui. Des empreintes. Ah. Remarquez la poussière des trous de rongeurs qui sont allés dans la direction. Dans ce cas, je vais utiliser le pouvoir. Oh non, ne faites pas attention à lui. Alors, mon pouvoir sera de me retrouver. Voilà. Utiliser. Pour me transformer en. En petite fée. Et faut-il vraiment me remettre dans ce vieux fourreau puant? Voilà, petite fée. Petite fée. Petite fée. Il est à nouveau. Petite fée. J'ai dit petite fée. Il est un peu con, ce personnage. Ah. Alors, se transforme en pixie. Allez, c'est top. Le sac est trop lourd. Non, mais. J'ai du mal à le porter. Ok, ok. Allez, non. Petit personnage. Petit trou. Petit trou. Continuez. Voilà à travers le trou. Waouh! Un nid d'or. Oh. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Vous êtes trop petit. Voilà. Une épée de bâtard. Pardon, excusez-moi. Ah, évidemment. Waouh! Non, faut que je m'en. Attends, je peux voir cette épée de bâtard? Ah, alors attends. Ça tombe bien, j'ai une potion pour ça, quelque part dans ma poche. C'est quoi ça? Gantelet de la mort longue? Bah non, dépose-moi cette merde. Ah bah tu m'étonnes, je suis trop lourd. Ouais, ça tu me le vire. Je pose un peu de merdier, ça vous dérange pas? Pardon, excuse-moi, oui. Est-ce que tu peux déposer? Est-ce que tu... Ouais, tu le déposes. Merci. Excusez, j'ai un petit peu trop de bordel. J'ai une épée de bâtard. Voilà. Hop. Utiliser. Et sur cette épée de bâtard. Ouh. Une buveuse d'art. Oh.
Ah, c'est dans ces moments-là que je me dis, j'ai bien fait de garder ma capacité pour les armes exotiques. Bon, ce marteau est très bien, mais juste pour les créatures artificielles. Du coup, je vais en profiter pour jeter une connerie de mon sac, hein, genre cette lance nulle que je ne peux. Non, le marteau de guerre finalement il me sert à rien. Donc si tu peux le jeter, s'il te plaît. Voilà, excuse-moi. Est-ce que tu peux jeter ce truc? Voilà. Mais oui, j'aurais pu le revendre. Mais écoutez, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je vous le demande de manière consciente et gentille. Voilà. Bon, bah, va falloir que je me remette en pixie. Pixie. Faut-il vraiment me remettre dans ce par le puant? Le il est où le petit trou? Hop, on continue, on va à travers. Waouh. Hop, repos, l'ATP. Parfait. Elle est où? Harry, mais elle est derrière. Bon, elle sort TP quand je vais passer la porte, je pense. Elle est là. Elle est là. Elle est coincée. Bravo, Harry Bess. T'as tout gagné. Alors, on me dit cependant que je peux quand même utiliser mon super anneau de promptitude. Enfin, mon anneau de la magie noire. Noir comme le cœur de certaines personnes. Mon anneau. Mon anneau. Oui, c'est un petit peu le bazar. Mon anneau. Qui est caché, qui est caché, qui est quelque part. Moi non, que je ne retrouve plus. Un autre pouvoir. Ah bah voilà, un anneau énigmatique. Non mais c'est. Il n'est pas pareil cet anneau. Il est mal foutu. Donc, anneau énigmatique sur la peau de fer. Ah voilà, ce tonneau noir, magique et indescriptible. Alors ça c'est quoi? Bon, eh ben on va boire la potion. Pas cette potion, mais l'autre potion. Et donc du coup c'est une robe en cuir qui est au toucher infestation d'astico niveau 15, bonus de... Bon, mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Voilà, bon, l'armure des tempêtes était sympa mais pas assez. Waouh. Dame Daniel. Fucking Dame Daniel. Si je mets un plus 6, c'est avec mon plus 6, ça s'annule, n'est-ce pas? Elle est où ma potion, mon truc de billard? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que je suis un peu craqué? Je ressemble à... Oh, je suis tellement magnifique. Enfin, attendez. Je suis tellement magnifique. Ouais, y a rien à dire. Si je casse pas les gueules de certaines personnes... Ah, je sais pas.